Je te préviens. Pardon, monsieur. Question que tu me... Pourquoi tu... Tu fais quoi, Reggie? Permission de griller mon poulet, monsieur. Permission refusée. Va voir plus loin si on y est. Vire ce tablier et va jouer avec les gosses. Tu sais où on est ici? Ici, c'est la partie masculine du barbecue. Et tu sais quoi, Reggie? T'as tout notre respect. On est vraiment reconnaissant que t'aies sauvé la vie des gens qu'on aime. On te remercie. Ouais, on est reconnaissant pour tout ce que t'as fait. On te remercie du fond du cœur. Et maintenant, barre-toi en vitesse. Ouais. Bon, ok, écoute, j'aimerais bien qu'on coupe la poire en deux. Toi, tu grilles sur cette partie du barbecue, c'est petit, je sais, et moi, de l'autre côté, pour... Il est encore là, ton gendre? Ouais, il est là. C'est trop bizarre. Ouais. Il se prend pour un dur à cuire. Faut que tu fasses entrer dans sa petite tête de mollusque qu'il grillera pas son poulet ici, aujourd'hui. Mike, le gars a refroidi 15 commandos entre mon salon et ma cuisine. En gros, toi, t'as l'intention de le laisser faire. Ouais, je vais le laisser griller tout le poulet de la terre. C'est vrai, il a un truc qui tue dans le regard. Je crois que je vais aller faire la salade. Et moi, je vais mettre la table. Permission accordée, Reggie. T'as le champ libre. Reggie, ennemi en approche. Tu dois mettre la famille en lieu sûr. Quoi? Exécution! Oui, monsieur. On se dépêche. Allez, vite! Oh mon Dieu! Dans la maison. D'accord. On va vous cacher. Allez vous mettre là-dedans. Ok. Reggie, dis-moi ce qui se passe. Je vous aime. D'accord, présent. Putain! Putain! Vous êtes en train de tirer nos fringues? On dirait. Ça fouette le raciste à plein nez. Alors ça y est, parce qu'on est noir, on vous tire vos fripes. Ce que vous voyez, ce sont mes fringues de négro, de la pure sable de noir, que j'ai prise tout à l'heure dans mon placard de noir. Marcus! Quoi? Regarde tes fringues. Oh, bah. Qu'est-ce que ça faisait dans mon placard de noir? Les bronzés, et si vous nous chantiez une petite chanson de Reba, hein? Reba? Ah ouais. Bon, je sais pas, t'en penses quoi? Laquelle tu voudrais qu'on... Parce que c'est lui qui m'a fait découvrir la country. Laquelle vous voulez qu'on vous chante? Celle qui vous chante. On connaît ces tubes par cœur. Elle a eu des tas de succès. Elle a du succès. Sa chanson qui bouge bien, là. Ouais, oh, t'es sûr de toi, là? Ou à l'autre, non? Ouais, le slow. La oui, romantique. J'adorais ce slow. Oh, ouais, je vois laquelle, c'est... Tu me fais trop tu mal me fais... Ah oui, parce qu'elle avait mal, ça lui... Tu m'as fait mal le soir. Oui, c'est ça. Et j'ai... changé. Ouais, regarde-moi, je suis une femme forte. Une femme noire forte. Blanche. Non, une femme blanche forte. Forcément, un peu près noire. J'ai un peu craqué. Alors, what you gonna do? What you gonna do? C'est pas une chanson de Reba, ça. C'est dans son nouvel album live. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come? Bad boys, bad boys.
do? What you gonna do when they come for you? Désolé, on vous le ramènera. On vous a chouré des tas de trucs, mais c'est pas parce qu'on est noir. When they come for you. Ralentis, Michael. Je suis malin comme un chien. J'aurais pu ralentir si tu ne nous avais pas mis en retard. Qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas en retard. C'est juste que t'es en stress. Non, je suis stressé parce que tu nous as mis en retard. Hors de question que je continue de supporter ça. Il y a un planning, faut que tu le respectes. Au ventre, j'ai trop mal au ventre, Mike. Écoute, on peut faire une escale à la supérette là. Un petit soda au gingembre. Non, on n'a pas le temps de s'arrêter pour ça. Alors ton soda, tu peux l'oublier. S'il te plaît, je suis grave malade. Tu me rends dingue avec ta conduite de taré, ok? Ça remonte, je sens que je vais tout gerber. Et ça un peu pour voir. Je te donne 90 secondes, t'as compris? Grouille-toi d'acheter ton soda et rien d'autre. Je suis plus un gosse, je suis un adulte, je te rappelle. Mm-hmm. Ok, il y aurait moyen que tu sois gentil. Ah, pas de soucis. 85 secondes. Sont là depuis hier. Bon, je vais en prendre une. Ouais, mettez un peu de jus et de la moutarde sur ce morceau de bonheur. Chopez-la moi, ouais, ouais. Allez, maniez-vous. Ouais, non, plus, Luca. Ouais. Celle-là, ouais, super. On y va. Allez, Jeff, plus vite, là. Je dois y aller. Faut mettre le jus et le turbo, là. Ça, c'est mon pote. Hé, hey, ouvre la caisse. Non, non, non. Man ! Monsieur. Sérieux, ça craint de faire ça aujourd'hui. Toi, la ferme! Écoutez, si je suis pas dans la voiture, dans moins de 15 secondes, il y a un mec hargneux comme un pitbull qui va débouler et vous et moi, on sera blessés. Marcus! Hé, toi, tu bouges, te bute! Tu bouges, te nique! Mike, je te jure, je l'ai dit au gars que j'étais attendu. Mm-hmm. C'est des Skittles que je vois sur le comptoir? Ah, mais fallait voir le gars, il a pris une heure pour me servir mon soda. C'est archi faux, il a chopé direct sa bouteille en entrant dans la boutique. Un hot dog, Marcus? T'as pas le droit de manger ces cochonneries. T'inquiète, c'est pas moi. Si, c'est à lui. Occupe-toi de tes fesses, espèce de mytho-baratineur. Vous allez la fermer, ouais? Monsieur, il va falloir que vous rangiez votre arme. Viens le faire pour moi, pauvre connard. Faut arrêter de chercher le gars pour rien. Marcus, on se casse. Mais il me caresse avec le bout de son flingue. Tu veux t'embrouiller avec lui ou avec moi? Désolé, monsieur, mais je dois tailler la route. T'es pas obligé de lui coller une balle. Tu sautes dans la voiture. Vous avez plus qu'à appeler les flics. Je pensais à un truc que j'ai failli pas te dire. Oh, ben garde-le pour toi. Non, il faut que tu l'entendes, parce que c'est mortel. Je suis un Highlander. Quoi? Je ne peux pas mourir. T'es un Highlander qui a bien failli clamser à mon mariage il y a à peine 15 jours. Mais je suis là. Regarde. Marcus, déconne pas. Dis-moi tout. Tu dois avoir confiance. Mm-hmm. Il faut que t'aies confiance en toi. Aie confiance en l'univers. Arrête tout de suite ces conneries. Je t'ai dit que c'est pas encore mon heure. Ah, ok. Donc, si je comprends bien, je peux te bombarder la tronche avec mon flingue, et toi, tu dis que tu vas pas en mourir. Ben non, le destin te donne l'ordre de ne pas me plomber la tronche. Non, en fait, ouais, en fait, ce que je veux dire, c'est que toi, tu dis que si jamais je te troue la tronche avec ce flingue, tu diras toujours que tu vas pas en mourir. Mike, le destin s'en bat les reins de tes hypothèses. Oye, ¿qué estás haciendo? Je vais appeler la police. On est déjà sur le coup, ça va, allez, circulez, y a rien à voir. Allez, à la plage. T'arrêtes avec tes conneries, maintenant. Ouais, t'as vu, t'as rangé ton flingue. T'as vu, il a rangé son flingue.
Thank you.